Qu'est-ce que vous avez? Ok. Je suis ratifiée soudainement. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai un problème là. Respirez. Alors attendez là, parce qu'ils sont super occupés. Deux à la fois, c'est compliqué. Un élo, un zadab, soit un truc. Qu'est-ce qui se passe? Qui, toi, lui, elle? Ok, yo. Là. Je pense qu'il n'y a personne de normal aujourd'hui. On est tous un peu psycho. On est naturel. Maintenant, si vous qualifiez comme ça, c'est cool, quoi. Mais moi, je suis une artiste, donc je suis super créative. Et puis, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de up and down. Donc, c'est bien sur scène, c'est bien pour l'écriture, c'est bien pour talking show and all that. So, yeah. Alors, si je suis un phénoménal, j'espère que je serai phénoménal international. Je suis assez excentrique, assez provoque, je suis assez exhibitionniste, je suis un peu psycho dans la tête. Donc, Donc, si maintenant, vous qualifiez en tant que star, c'est cool, c'est même un compliment, parce que c'était pas vraiment pas du tout le but. C'est des gens qui aiment un peu les filles un peu exotiques, avec beaucoup de tempérament, tu vois. Voilà, donc c'est des mecs un peu bad boy et voilà, ils m'ont sollicité. Alors, si je suis un phénoménal, j'espère que je serai phénoménal international. C'est ce qu'on... Elle a des grands bras en tout cas, j'en ai loin. Des personnages... Vous êtes heureuse là? Je suis très heureuse parce que j'ai toujours été heureuse, même quand j'avais rien, même quand j'étais à l'école, même quand j'avais pas d'argent pour pouvoir m'acheter un sandwich, j'ai toujours été très heureuse parce que la foi... la joie de vivre, c'est le plus important. C'est ce qui va vous amener à vos ambitions, à rencontrer des gens comme Quincy Jones ou des gens qui ont un cœur incroyable, beaucoup de cœur, c'est très important. Qu'on soit boxeur, footballeur, poubelleur, on a tous un rêve, on veut s'en sortir. Poubelleur. Ok, c'est mignon, peu importe. Ouais. Voilà. Leslie, c'était un pseudo quand j'étais animatrice sur MCM Africa. Ouais. C'était un peu plus anglophone. Et puis, bon, il y a eu Leslie, il y a eu Leslie Mess. Puis après, je suis passée aux États-Unis, je voulais absolument revenir sur ma vraie identité, donc Afida. En fait, je suis mariée, donc c'est Afida Turner. Donc on a communiqué en fait sur la réalité. C'est des gens qui aiment un peu les filles un peu exotiques, avec beaucoup de tempérament, tu vois. De prendre son sac et de partir à Los Angeles. Sans rien, je connaissais personne, je connaissais pas anglais. Et puis tu rencontres des gens qui sont dans le métier, tu vas en studio, tu enregistres des chansons. Et ça, c'est le travail, et ça, c'est l'émotion, et ça, c'est le courage. Because you need some force. Vous avez besoin de courage aujourd'hui. La vie est dure, ok? C'est très 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 dur. Et donc ça, c'est important. Vous êtes... Qu'est-ce que vous avez? Ok. Je suis ratifiée soudainement. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai un problème là. Non.